Salut tout le monde, mec, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur RL3 Rugby League 3, alors pourquoi pas le 4. J'ai envie de faire un quart sur le 3 et voir aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur le 4. Le 4 qui est l'un des meilleurs jeux, hein, mais le 3 a des qualités que le 4 n'a pas et le 4 a des qualités que le 3 n'a pas. Et je me suis dit pourquoi pas faire une carrière pour voir la différence entre guillemets, mais voilà, pour se régaler aussi. Alors j'ai pris en équipe l'équipe la plus faible de la NRL, en tout cas au niveau des notes, au niveau du général, c'est les Titans. Voilà. Là, le 9, on va le passer parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec celui-là. On a très peu de chances de le gagner, voire peu du tout. Et voilà, de toute façon, on s'est pas qualifié, mais voilà, la pré-saison, on va essayer de faire jouer des mecs, hein, on va essayer de faire jouer des jeunes. J'aimerais bien voir leur âge. Hop. Là, c'est la pré-saison, hein, les deux matchs de pré-saison, les trois matchs de pré-saison. Un petit talonneur qui a 20 piges, c'est quand même pas négligeable. Alors, et qui va remplacer. Tac. Vraiment, je vais mettre que du jeune sur ce premier match. Que du jeune pour les permettre de prendre, tout simplement pour gonfler. Hein. 30 ans, un troisième ligne qui est. Hop, troisième ligne, lui il y a 23 ans, ça peut jouer. Faut le redescendre. Hop là, on va le passer à lui. J'ai envie que mes jeunes là ils prennent 29 ans, on va essayer de changer aussi. Puis il y a 23. Oh merde, mais c'est quoi, j'ai pas fait le bon truc. Hop, 29 ans. On va voir. Tac, lui il y en a 28. Allez hop, on va le faire jouer. On va mettre un peu de mec sur le banc. Tiens, un demi-mêlée, demi-ouverture. 23, 21, 21. Bon, on va les garder quand même. Et pourquoi pas le faire polyvalent à l'arrière, celui-là. Ça peut être très intéressant. Et là, on va garder hein, pour au moins la pré-saison. 19 ans, t'as un bon centre. Un 67 de général qu'on va vouloir faire gonfler aussi. Ta ligne, ouais, comme ça. Alors ça c'est pour la pré-saison hein, les mecs hein, clairement. Hop, on a perdu. Et on le perd de peu encore une fois. Alors, qui a marqué Srama et Mead. Donc on va regarder un peu. Srama. Lui c'est notre buteur. Ok, donc notre ailier qui a marqué. Et Srama, notre talonneur qu'on a fait jouer. Qui vient des Philippines. James Roberts. Ouais, pour le premier match, je pense que c'est. On va laisser là, comme ça. Peut-être. Non, lui il est en forme. Lui il est un peu moins en forme. Je me dis un petit joueur comme ça, ça peut être très intéressant. Crampton qui peut jouer quand même pas mal de postes. Je me dis ouais, on va le faire jouer comme ça. Ça peut être intéressant, un pilier, troisième ligne.
Et au pire, si on a un problème, Bird décalera en deuxième ligne. Et voilà, on va pouvoir commencer enfin. Ouh, j'espère que ça s'est enregistré parce que je vais pas te faire s'enregistrer. Ouais, c'est bon, ça s'est enregistré. Ah, on va accepter. Et on va commencer. Bon, on commence plutôt. Bon, pour l'instant, on n'a pas assez de thunes. On va pas se dépenser dans des trucs comme ça. Mais ouais, on a plutôt plutôt de la chance. On hérite pas de la plus grosse équipe dès le début. Donc on va voir ce que ça va donner sur ce premier match. On va voir. Allez. Alors, ce que j'aime bien sur le 3, que malheureusement je trouve que sur le 4 y'a pas, c'est la facilité de déplacement des joueurs. Je trouve qu'au niveau des déplacements, c'est beaucoup plus fluide que sur RL4. Et ce que j'aime bien sur RL4 et que je trouve ça très sur qu'il n'y a pas sur RL3, c'est la ligne des courses des mecs qui proposent un petit peu à plat. Je trouve que y en a pas assez. Alors après, c'est aussi peut-être dû au sac. Enfin, au fait que y a moins de liberté de monter. Alors on joue en pro, donc c'est un niveau plutôt moyen. On va pas le jouer non plus expert. Allez, Bird. Allez, faut les contenir là. Ouh, attention. Attention, on va falloir tenir les mecs. Oh, 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 oh. Ouais, là va avoir une chandelle. Là, ils vont devoir en monter une. Je suis en jeu. J'étais redescendu. Hein. Allez, Srama. Ouais, j'ai voulu. J'ai voulu faire la passe, il a pas voulu la faire. Allez. Ah. Ouais, c'est ça aussi, c'est que des fois, le problème de ce jeu, c'est... Je crois que sur le 4, il n'y avait pas trop. Mais... Oui. Mais les passes, par exemple, quand tu veux faire une passe à un joueur un peu plus loin, en fait, il faut vraiment rester appuyé. Parce que sinon ça te fait une passe à un mec qui est carrément derrière, mais totalement derrière. Du coup là ça m'a détruit mon 2 contre 1. Allez. Ouais, là il y avait de l'espace pourtant. Voilà, j'ai pas forcément pris le meilleur botteur. Allez. Allez, bon plaquage. Premier temps de jeu. Qui a mené à rien. Hein. Deux grosses défenses dès le début. Après, nous, c'est dommage parce qu'on avait percé. Allez, ça va jouer. Ça va jouer. Zilman qui a été pris, qui a été chassé. Ouh, il a coupé la trajectoire. Ouh, attention, la mauvaise passe. Ouh, attention. Non, on va pas pouvoir revenir. Et on se prend le premier essai de ce match. Oh, quelle erreur. Et ça passe 6-0. Ah, c'est terrible. C'est terrible de se prendre un essai sur ça. Sur une mauvaise passe. Je sais pas si nous on a nos changements qui sont réalisés aussi. Gestion d'équipe. Ça va être tout moment. Voilà les.
au prochain arrêt de jeu. Alors au 13, faut savoir qu'on a le droit de changer et rechanger des joueurs. Pas d'inquiétude. Le joueur que j'ai fait sortir, il va pouvoir rentrer. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le 13. Woods, Lawrence. Très bon placage, très bon placage, on a été chercher aux jambes. Allez. On a été coupé là. Allez. Ah, dommage. Allez, on va essayer de péter dedans. Oh là là! Oh, c'est terrible! Mais d'où il n'y a pas en avant sur ça aussi? Oh là là! Non, ça passera pas. Et là, par contre, à domicile, on est vraiment très mal rentré dans ce match. Va falloir réagir assez vite. Ouais, personne n'est vraiment fatigué. Allez, en haut. Allez, voilà, bon plaquage. 10-0, ça se rattrape. Oh là là. Ça se voit, hein. Ça se voit que j'ai pris une petite équipe hein, quand même, parce que c'est très compliqué. Allez. Ah, faut les arrêter. Oh là là, il joue trop défensivement encore. C'est pas possible. Rien ne va. Ça devient compliqué, hein. Tigers lead 14-0 here. Brooks there to field the kick, pushing the defense away. Good tackle. First tackle there. Woods nearly. Oh là là, on aura trop de plaquage, on aura beaucoup trop. Lawrence Tedesco. Allez, voilà. Plaquage aux jambes. Ah, attention! Oh non, mais comment il se trouve là, mon arrière? Mais c'est pas possible! Oh, il doit jamais se trouver comme ça, c'est pas possible! Pff. 20-0 mi-temps. On n'y est pas. On n'y est clairement pas. Alors, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se ressaisir. Parce que là, c'est. C'est pas possible de se prendre un essai comme ça. Allez, on va pas forcer le jeu. Allez, là par contre, on va essayer de le jouer. Allez! Ouais, non, on a été chassé un. Caesar.
And Ofaluma, surprised, he's careful with that bouncing ball. Tackle one completed. Sue. He breaks through the defence. Caught by a pair of defenders. And that is tackle number two. Galloway. Brooks. Allez, bonne défense. Très bonne défense. Third tackle. Lawrence. Et ils avancent sur chaque impact. Allez hop. Bien pris aux jambes. Oui, on a un petit peu improvisé, mais c'est dommage. Ah, c'est dommage que j'ai pas pu la donner. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on essaie de les jouer un petit peu comme on peut. Allez. And he's through the line. The attack coming in waves. Crampton. He gets a face full of dirt in that tackle. It's the last now. Caesar. Whoa, this elle est pas montée assez haute. Oh non, c'est pas possible, c'est terrible. Oh, il y a rien qui va. Ah, un début de saison catastrophique hein, qu'on est en train de faire actuellement. C'est... Ça devient compliqué. Faut les prendre ces décisions-là, de toute façon. Their opponents are shell-shocked, and understandably so. Ah non, elle a pas récupéré, c'est dommage. Comes down with the ball. Almost in the touch there. Nofaluma. That's the second. Oh mais oui les gars, faut le défendre là. A scrambling defense get him at the end of the run. Halfway through this set. So, breakthrough. Oh, c'est pas possible, mais arrêtez. They're having such a strong attacking game here. Brooks. Last tackle. They've got to come up with something. Nguema. Allez hop. Quoi? Oh non, je l'ai contré, c'est une blague. Oh, je l'ai contré. Pff. Mais... Ouais, non, mais c'est bon. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Home team just haven't been able to execute here. Back to the center of halfway. He really found air on that. On n'arrive pas à être dans les airs en plus, on les récupère pas. On est à 30-0, on n'arrive pas à les jouer. Wrapped up on the 30-meter line. And that's the second. Sirenen. That was a very solid tackle. Three is the call. Non, il va pas me l'arracher. Il y a un qui va. Dans ce début de match. Dans ce début de saison même. On the last tackle now. Malia punts. It's a race. This could be trouble. Me on the bounce has the ball. There's the punt. Oh, on a un peu improvisé hein. On a pas d'autre choix. That was good pressure from the ch- Ah, mais on se gêne, y'a rien qui va. Mais non, mais c'est pas possible.
he's injured. Sirenen, Lalea. Inside the danger zone. J'ai jamais vu ça. Tedesco. Bah oui, bien sûr qu'on se met à la faute, je vais pas le laisser avancer non plus. De toute façon, mort pour moi. Hein. Ah, c'est terrible. Tedesco. Threatening to come up with points. Woods. Gus, that is a beautiful tackle. Oh là là, cette passe. I think they'll feel they've really wasted this home ground advantage here. Oh là là, cette passe. After this match. Their fans will be very pleased with what they're seeing here. On aurait été inexistant sur ce match. Et c'est pas la meilleure équipe du jeu. Allez, ça a été récupéré. Oh là là, y a rien qui ne va. Et voilà, premier match, première défaite, 36-0. Ça calme. Ouais, on a rien pu faire. On perd un de nos joueurs en plus. Le prochain match, c'est pas des moindres, c'est contre les Panthers. Ouais. Il y a 40 ans apparemment. Je crois que le jeu bug un peu. Ouais, je pense que le jeu n'est pas... En fait, le jeu fait en sorte... C'est pas à jeu... Enfin, en fait, c'est pas à jour... Quand tu cliques sur ça, c'est à jour de 2024, quoi, à l'heure actuelle. C'est pas à jour de 2017. Donc, ouais. Non, c'est dommage. Ah, c'est dommage. On va voir un peu qu'on va pouvoir mettre. Là on perd l'un de nos meilleurs joueurs, nos meilleurs. J'ai tenté un truc, j'avais vu un petit jeune qui était quand même plutôt bien noté en gêne. C'était lui hein. qui est plutôt bien noté. 27 21. Fougarty. Pardon. Ah non, c'est Kevin Gourdon, mais non, c'est Kevin Gordon. C'est pas la même. C'est pas la même. Mais allez, on va te le mettre quand même. On va te le mettre quand même. Ah, je vais mettre. Je pense que... Ouais. Ils sont le fouté au centre. Un mec qui a de la vitesse comme ça, qui est... Ouais, non, il est pas fort physiquement, ça, son problème. Non, allez. Qualifie-toi. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est que lui... Non, on va le garder, parce qu'il a été plutôt bon. J'ai pas trop envie de mettre un 69 de général pour commencer. Je sais pas qui mettre. Après lui il tient la baraque un peu partout hein. Ouais je pense qu'on va faire comme ça. Celui qui tient la baraque. C'est pas lui. Faut que je... Ah voilà. Ouais 23 ans en plus franchement lui. Il a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Lui, il y a 20 ans, bah, j'ai limite envie de le mettre titulaire. Quoi. Attendez, on va faire ça. C'est intéressant ce qu'on va tenter là. 89, 87, ouais.
82. Donc voilà, ça va être ça pour la compo. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera contre les Panthers, toujours eux. Et voilà. Donc merci à toute la personne. N'hésitez pas à liker et à partager la chaîne, les mecs. Allez, salut.